Shibaba Oo. Oh Shibaba Oo. Shibaba Oo. Bon, et ben salut tout le monde, du coup je suis enrouée déjà. Aujourd'hui on se retrouve pour un ask que j'ai jamais fait, du coup en 2 ans je me suis rendu compte que j'en avais jamais fait. Alors par contre j'ai eu quoi 5 questions en tout et je me suis dit j'en ai pas eu beaucoup et du coup ça serait l'occasion de développer un petit peu ça. Et vous expliquer aussi que je pense que vous avez vu, je suis dans un nouvel environnement là depuis, ça fait même pas une semaine encore, je suis arrivée samedi dernier ici. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de... En fait, je reçois beaucoup de questions en privé surtout, genre les trucs de base, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vis et tout ça. Et à chaque fois, c'est compliqué entre le tu viens d'où, où tu vis et tout, parce que bon, vous le savez, je viens du sud, je suis allée vivre... là-haut à Lille pendant 1 an et je suis redescendue un petit peu sur la zone parisienne du coup. Mais bon, je fais ça parce que j'ai une école ici, voilà. Donc je vais sûrement, potentiellement, rester 2 ans ici, donc voilà. On va commencer. La première question, je l'ai eu en anglais. Donc du coup, je vais répondre en anglais pour la personne quand même. Je vous mettrai le sous-titre de ce que je raconte en dessous. Donc, la première question, c'est... What is your inspiration for doing contortion? Ok, donc on aime l'accent. J'ai préparé toutes les petites questions là-dessus parce que je sais que sinon je vais bugger à un moment donné. Sometimes I'm like inspired by other artists and I'm following lot of people on Instagram and when I see some picture with a figure and something like that, I'm just, I want to try and it's a possibility to be inspired by other people. But sometimes I just want to improve my own figures and sometimes I want to do better than myself actually, so... I think that there is always something to improve, so that's why I'm doing. J'ai un peu galéré. Deuxième question, c'était quel est ton objectif souplesse? Et en vrai, j'ai vraiment galéré parce que il y a un objectif large et un objectif plus sur des petites figures. Et oui, je suis en train de m'étirer un peu en même temps, c'est normal. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est être potentiellement aussi souple des jambes que du dos. Du coup, c'est en train de bouger un petit peu là-dessus, donc c'est cool. Pour que ça donne un truc plutôt harmonieux, parce qu'en soi, ça va, ça me gêne pas trop d'être moins souple des jambes, vu que je les utilise pas tant que ça, en fait. Mais le truc, c'est que sur certaines figures, c'est mieux d'être souple autant sur l'un que sur l'autre, parce que sinon, ça se voit un peu... Mais bon, après ça, c'est quand on est dans le game, en fait. Quand on n'est pas trop dans le milieu, on sait pas trop, quoi. Mais là, je suis bloquée, en vrai, genre... J'ai une hanche, je vous montre pas, faut qu'elle craque à chaque fois, sinon je suis trop mal après. Enfin, bref. Donc ça, et sinon, tout ce que je voulais, il n'y a pas longtemps, c'était avoir... tout ce qui était sur les mains et comme, enfin en fait j'ai pas tout sur les mains mais comme je tiens sur les mains du coup c'est en train de dévoiler petit à petit. De toute façon vous avez vu il y a plein de photos et tout ça. Il y a des figures, c'est ce que j'aimerais faire, c'est me tourner aussi vers de la contorsion un peu dynamique du style, alors j'ai absolument pas le nom donc m'en voulez pas, ça veut rien dire. Vous avez sûrement déjà vu dans des pubs ou quoi, ouais il y a une pub de voiture qui passe à la télé et dedans il y a une contorsionniste qui est en crevette, elle a les jambes devant et en fait elle tourne autour d'elle-même, enfin on voit un petit bout quoi. Et moi j'aimerais trop savoir faire ça mais en vrai c'est extrêmement galère quoi. Alors déjà essayé, c'est super compliqué. J'ai testé la même chose en pont et je vous ai mis une vidéo sur Facebook d'ailleurs donc vous pouvez aller la retrouver si vous avez envie de chercher parmi les 900 photos. Il y a la boucle aussi, vous savez quand
C'est un truc de gym plus ou moins en fait, c'est quand on a... Ouais, on va dire que c'est un grand écart debout et on tient la jambe à peu près. Et donc j'aimerais bien avoir ça de manière plus que... Parce que moi en fait ce qui me gêne c'est pas la souplesse du dos, c'est les jambes. Donc faut juste que je monte plus les jambes et en fait au final ce sera pas mal parce que j'ai déjà le dos qui est bien placé. J'ai l'impression d'être tordu, c'est hyper bizarre. Et le pont avec les mains aux chevilles, mais il faut vraiment que je tende mes genoux en fait, c'est pour ça. Sinon ma figure reste un peu casse-gueule, mais il faut que j'améliore ce truc là aussi. Donc c'est à peu près mes objectifs, et non ce n'est pas le triple fold comme tout le monde me le demande depuis que j'ai commencé. Du coup j'en profite pour faire un petit point triple fold ici, c'est que j'aime pas trop cette figure en fait. D'un point de vue esthétique, je trouve que ça renvoie pas grand chose en fait. Mais d'un point de vue physique et performance, je trouve que c'est trop bien. Enfin, je pense que vous le savez, mais c'est... Je veux dire, quand tu vois une fille ou un mec qui fait ça, en fait, c'est qu'il a un certain niveau et du coup, c'est là que ça devient cool. Mais en soi, j'apprécie pas trop ce truc-là. Bon, voilà. Après, c'est que mon avis, c'est pas parce qu'il y en a plein qui le font sur internet que je suis là, c'est moche, non, c'est juste que moi, pour ma part, je veux rester dans un truc de joli et d'esthétique et je pense que je vous l'ai dit des millions de fois déjà. Donc voilà, comme ça, si vous regardez cette vidéo, vous savez. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Alors, suivant si je suis à l'école ou non, je vais m'entraîner plus ou moins. Bah déjà, c'est archi logique en fait, ce que je viens de dire. Si je suis... à l'école, que c'est pas une période de vacances et tout ça, et ben je vais m'entraîner entre 30 et 35 heures par semaine. Donc si vous voulez au niveau des statistiques vous rendre compte, c'est à peu près je crois que c'est équivaut à des heures de cours de, alors je sais pas si c'est de fac ou quoi, enfin bref, en gros voilà, ça fait un peu ça. Et sinon, quand je suis chez moi, en vacances chez mes parents, c'est, je pense, entre 10 et 15 heures. Parce que, par exemple, pendant ces vacances d'été, je trouvais que c'était super cool comme système. En fait, je faisais un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Plutôt que d'en faire un dans la journée et de rien foutre le reste du temps, ben, je préfère en faire un de peut-être 1h30, 2h le matin et rebelote l'après-midi. Du coup, c'était plutôt pratique et en plus, du coup, on a... J'avais l'impression d'avoir plein de journées en fait, du coup. Vu que comme je m'entraîne au moins une fois par jour, là comme j'en faisais deux, bah, j'avais l'impression de m'entraîner, d'avoir plein de jours dans la semaine. C'est un peu bizarre. Et là par contre, ma nouvelle école, il y a 23 heures encadrées par semaine de cours. Et après, comme en fait, si vous voulez, mon emploi du temps, c'est 9h30, 15h30, j'ai bugué. Et en fait, on est censé pouvoir s'entraîner, surtout que je pense que jusqu'à 17h, c'est facile de rester à l'école ou alors de rentrer chez moi, parce que je m'entraîne chez moi en fait. C'est hyper simple de m'entraîner chez moi. J'ai même réussi à faire un Nikki et à tomber correctement dans l'appart, sans rien casser. Donc c'est assez génial quand même. J'ai fait le test hier. La figure où je suis la plus souple. Alors j'ai un peu dû décortiquer cette question pour comprendre vite fait la réponse qui est attendue. Bon, j'imagine que la question c'est plutôt quelle figure t'as le plus en souplesse, je pense. Et moi je dirais le head sit de manière générale, surtout en crevette aussi, mais parce qu'en fait, quoi, sans vouloir vraiment faire un... Parce que le vrai head sit, c'est le head sit, vous savez, avec les pieds qui sont, les jambes pliées comme ça, et puis la tête, les fesses qui viennent au-dessus de la tête, en gros. Sauf que des fois juste en posant les pieds devant moi et tout, bah, j'ai les fesses qui touchent en fait. Donc du coup, le head sit, je le fais de plein de manières. Mais je pense que c'est le niveau le plus haut que j'ai réussi à atteindre jusqu'à présent. Et bon, on espère plus loin après, on verra bien. Mais par contre, c'est un truc qu'il faut travailler parce que sinon, le head sit, genre, j'y arrive pas tout le temps, ça touche pas tout le temps. Ça, et la dernière question, c'est trop drôle sur Instagram, j'ai fait un débat avec la personne parce que je captais pas la question. Quelle position fais-tu le plus souvent quand tu es assise et que tu fais autre chose? Alors ça c'est super drôle parce qu'il m'a dit en cours et du coup j'étais en mode oui mais j'ai plus de cours maintenant et tout. Et en fait non, c'est que... Alors quand j'étais en cours je pouvais pas faire grand chose, vous imaginez que j'avais pas tapé un écart facial entre deux chaises, donc du coup souvent ce que je faisais c'était ça. Je passais mon temps à faire ça. Et je voulais trop essayer de me les déboîter en plein cours, mais en fait j'ai trop pensé aux gens qui avaient derrière, je me suis dit ils vont gueuler et je vais me faire défoncer par le prof, du coup je faisais rien.
Mais je bougeais beaucoup en fait. C'est genre pas forcément des grosses postures, mais genre je bougeais toutes les 2 secondes. Donc je devais être assez chiante à regarder, je pense. Et après, oui, parce qu'il n'y avait pas que quand j'étais en cours. Quand je suis devant la télé, je suis comme ça. Et mieux, j'essaie de me mettre un peu comme ça. Mais là, en fait, j'ai mal aux hanches. Mais sinon, je me mets un peu comme ça. Voilà, et je travaille, je fais des étirements, des trucs comme ça, ou les écarts. Et quand je suis toute seule dans ma chambre devant une série, je travaille mes genoux. Enfin, il y a une vidéo, je vous la mettrai peut-être au-dessus là, où j'explique comment, pourquoi travailler ses genoux, c'est quoi le but et comment on peut faire et tout ça. Enfin, c'était un petit vlog tranquillou quoi que j'ai expliqué. Je fais ça parce qu'en fait, comme c'est une posture trop facile, pour moi en tout cas, bah, du coup j'aime bien rester comme ça. Et puis je pose mes coudes et voilà, je regarde la télé ou je sais pas. Et là, on arrive à la fin des questions. Et en fait, du coup, ça met pas du tout longtemps à filmer. Voilà. J'avais écrit tout ça, hein, je sais pas si vous voyez, entre les questions et le développement pour être sûr de pas dire n'importe quoi. Du coup, je vous reprends comme ça sur mon canapé. Du coup, le ask il est terminé, je pense que vous avez compris depuis 1 heure qu'il est fini. Par contre, ce que je voulais faire, c'est juste. Parce que j'ai vu que j'avais pas mal d'abonnés qui étaient arrivés et tout, enfin pas mal, voilà, il y en a peut-être 6-7 quoi. Et du coup, je voulais vous dire bah, bienvenue et tout ça sur ma chaîne. Et j'espère que vous allez trouver votre compte un peu. Je vous conseille pour mieux me connaître d'aller voir des vidéos que j'ai déjà postées, etc. En sachant qu'il y en a qui sont vieilles, donc niveau qualité, c'est pas la même chose ou quoi. Mais ouais, allez voir, ça peut être cool et tout ça. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Ah oui, alors, si vous avez des questions autres que celles auxquelles j'ai répondu dans cette vidéo, je vais y arriver. Vous pouvez demander en commentaire aussi, je vais pas vous manger, hein. De toute façon je réponds, donc voilà. Et je me suis dit, si j'ai pas eu beaucoup de questions, en fait c'est plutôt bien, parce que là j'ai déjà fait 15 minutes alors que j'avais 5 questions. Donc comme ça permet de bien développer et de pas répondre en 30 secondes. Comme ça vous en savez plus et voilà, c'est bien pour tout le monde. Et voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et je vous prépare une autre vidéo encore plus cool pour après le ask. Voilà, une fois que vous aurez vu ce ask, et ben, je vous ferai une vidéo plutôt sympathique sur un sujet que je trouve cool d'aborder, mais je vais l'aborder pas de manière comme ça en face caméra. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous et continuez à suivre mes vidéos, à partager tout ça. Et voilà, et rejoignez-moi sur les autres réseaux sociaux. Et voilà, c'était Coco Contorsion, on se fait des bisous. Ciao!